À quelques jours seulement de l'ouverture officielle de la campagne présidentielle, les leaders des partis politiques, opposition comme majorité, ne cessent d'animer ici et là des causeries politiques pour gagner du crédit et de la visibilité sur le terrain. Ce fut le cas du président du Front patriotique gabonais, Gérard Elanguema, candidat à cette élection capitale, qui s'est rendu ce dimanche 6 août du côté de la commune de Vendo, précisément au quartier Port-en-Haut, pour une rencontre politique. Je suis venu ici pour vous dire que j'ai besoin de vos suffrages. J'ai besoin de vos suffrages à la présidentielle d'août 2023. J'ai besoin de vos suffrages pour quoi faire avec? Parce que j'ai envie d'être président de la République. J'ai envie de diriger ce pays. J'ai envie d'être au service des autres. Mon désir de vouloir servir mon pays, la nation en construction, la population gabonaise, vient du fait que ce que nous observons devient dégoûtant. Ça devient même aberrant. Et ça fait de nous qui observons cela comme si nous étions des extraterrestres, comme si on n'est pas comme les autres peuples, les Sénégalais, les Burkinabés, tout ça, tout ce que l'on observe. On ne peut pas comprendre que dans un pays où il pleut 9 mois sur 12, que le Gabonais ait du mal à se nourrir, au point où aujourd'hui, manger même une fois dans la journée, ça devient compliqué pour beaucoup de familles. C'est inadmissible. On ne peut pas concevoir qu'au Gabon, un pays qui est un scandale géologique, ça veut dire qu'il regorge de presque toutes les richesses que toutes les autres nations nous envient, à croire que Dieu a même fait la combine, en nous donnant tout et aux autres parfois rien. Mais dans ce pays-là, nous n'avons pas de route. L'eau, où il pleut 9 mois sur 12, n'arrive pas dans nos maisons. Nous n'avons pas d'école digne de ce nom. Les universités, nous en avons presque plus. Pour se soigner, ça devient presque la croix et la bannière. Gérard Elanguema, dans son franc-parler, s'est prononcé sur la question de la candidature unique, tant attendue par bon nombre de Gabonais, avant de présenter les grandes lignes de son projet de société basé sur le Gabon Entreprise pour sa reconstruction. Moi, je veux le changement. Il faut que les choses soient claires, qu'on énonce les choses clairement. Ali Bongo peut faire l'alternance avec son frère. L'alternance, ça veut dire quoi? C'est lorsque deux personnes, si moi j'étais, je quitte, je laisse une autre personne prendre. C'est ça, l'alternance. Moi, je ne suis pas pour ça parce que Ali Bongo peut faire l'alternance avec son frère. Il aura fait l'alternance. Mais il nous faut le changement. Il faut briser le système. On ne veut plus de ce système-là. C'est pourquoi moi, je m'inscris dans l'esprit de ceux qui disent que c'est le changement dont le Gabon a besoin. La rencontre avec ses habitants de la zone portuaire de Vendo était aussi une occasion pour le président du FPG de présenter à la population les candidats investis qui devront défendre les couleurs du parti aux législatives et locales dans la dite commune.